Salut tout le monde, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Ah bah je sais pas. Je sais pas s'ils vont. Tu leur fais coucou? Non, non, faut pas attraper. Non, attrape pas à chaque fois ce téléphone, tu vas le casser. C'est bon maintenant, ça suffit. Allez, stop. Tu m'appuies sur le bouton du café, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ouais, super, c'est un travail d'équipe. Alors pourquoi je fais ce machin là, hein? Parce que j'étais en plein sevrage, j'allais très 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 bien, quand Monsieur Jojo a commencé à dire des bêtises. C'est pas bien, moi j'essaye de me calmer, moi. Le café est prêt. Donc, voilà, on me rapporte des faits, parce que je vais pas aller perdre mon temps à lire la bêtise humaine d'une troisième année de CE1. Le gars, il a mis. Alors, je suis pas allé lire, j'espère que c'est vrai, mais si c'est ça, alors là, ça va m'emmerder un moment. Tu peux t'enlever de mon bras? J'accepte pas la critique et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres de la part de clients Furax, mais j'en parle pas. Mais ferme ta putain de gueule! Désolé. Mais mes clients se plaignent? Mais heureusement qu'il y a des clients qui se plaignent, mais se plaignent vers toi? Non mais faut arrêter. Mais tu tiens un commerce toi? Tu sais ce que c'est? Hein? Tu sais rien? Ah mais c'est pas vrai ça. Et arrête toi aussi d'être con. Arrête, laisse-moi tranquille. Oui mais pardon, j'ai essayé moi d'être gentil et de me sevrer, de plus parler de toi, mais t'es en train de me relancer. Je sais que tu me manipules. Mais si je reviens, mais... Je vais au moins montrer ton égocentrisme aigu vis-à-vis de comment t'as voulu que moi je ferme ma chaîne. Oui, je l'ai. Moi, j'hésiterai pas une seconde. Ok? Voilà. Et après, il a mis et j'ai donné mon avis à un revendeur. Non. Tais-toi. Tu n'as pas donné ton avis à un revendeur. D'accord? T'es allé dans ton coin? T'as diffamé publiquement une entreprise légale de jeux vidéo. Je veux pas parler de ta page de vente privée de jeux vidéo avec laquelle tu as fait de l'argent sans que personne ne le sache réellement. On est bien d'accord, hein? Donc, tu viens pas dire que t'as donné ton avis à un revendeur. Ferme ta putain de gueule! Essaye, moi, de... Mais on est d'accord, moi j'essaye de vivre, je suis en train de te nourrir. Je travaille pour toi et toute ma petite famille. Alors pourquoi lui, là, cette espèce de... Alors, voilà, ferme ta putain de gueule. Sérieux, finis ton CP, ton CE1, finis toutes tes classes, d'accord? Parce que ouais, t'écris déjà un petit peu mieux, là, parce que bon, ça reste. Mais arrête d'être con, arrête d'être bête, ne me relance pas. Ferme ta bouche, quoi. Hein? Faire des allusions, je veux bien, à la limite, mais donner un avis aussi débile, non, parce que t'es débile, faut le dire maintenant, hein? Je te jure, je reste calme. J'ai dit débile! Je me suis encore emballé devant mon café. Ferme ta gueule. Mais oui, mais. C'est Jojo! Donc, lâche-moi. Ne mens pas. Ok? Arrête de dire n'importe quoi. Voilà. Si tu veux qu'on discute comme on l'a déjà fait et vu comment ça s'est terminé et les gens vont bientôt le découvrir, je vais le faire. Je vais finir par le faire. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ah. Non, il n'a pas d'enfance, monsieur. S'il avait des enfants, je pense qu'il aurait... Un petit peu de manière. De meilleure manière, en tout cas. Ça, c'est sûr. Enfin bon, voilà, je vais boire mon petit café. Je me suis un petit peu emporté. Je vais revenir. C'est obligé, je reviens. Je reviens, tu fermes pas ta bouche, quoi. Tu craches du caca partout. Tu craches du caca partout. Hey, mais c'est du caca. Le caca, c'est pas une insulte, le caca. Tu fais du caca, Jojo. Jojo fait du caca. Ouais, fait du caca de bébé. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Non, dis-le, je t'écoute.
Dis-le. Non, Non, c'est mais. un secret. Ah, mais vas-y, alors j'écoute pas, je bouche mes oreilles, tu peux leur dire. Travaille et même quand elle rentre chez lui, lui il est toujours tard. C'est bon, je peux arrêter? Attends. Je peux enlever. D'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, t'as encore dit des trucs qu'il fallait pas dire. Ouais, d'accord. Non. Tu m'as fort énervé. Tu m'as fort énervé. Tu peux pas t'empêcher de faire tes maladresses. T'essayes de rester un peu plus calme et plat, mais tu sors toujours ton caca. Je peux le dire ça, le caca. Ouais, ça passe moyen. Ok. Bon. Je disais donc, pareil, monsieur balance des semences d'excréments. Ah, je sais pas ce que c'est. Des semences d'excréments partout où il passe sur mon compte. Ne peut pas laisser un honnête travailleur faire ce qu'il sait faire depuis 15 ans et la ramène pour m'embêter moi et mon commerce. C'est bien. Alors si c'est comme ça et qu'il faut lâcher des dossiers et dire quoi? Rien. Si il faut lâcher des dossiers parce que tu oses dire un truc comme ça, parce que si tu avais des vraies choses à montrer et à dire, avec le pouvoir que tu as, tu aurais pu déjà le faire plein de fois. Alors, à part la convention où monsieur a fait son petit tour en douce et lâché les informations sans aucune autorisation sur une entreprise, et bah voilà. Et bah, mais moi aussi, alors à ce moment-là, je vais faire le tour de tout l'internet et je vais dire ce que moi je pense de toi intégralement, ce que je ne fais pas vraiment depuis très longtemps. Puce. Non, 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 dis-le pas. Non, non. Enfin bon, bref, voilà. On en est où? On en est là à faire une petite vidéo parce que monsieur sur Twitter lâche sa semence sur tous les rochers qui trouve. Me fait pas mal. Quel animal. Non, ça filme pas. Tu peux faire le câlin. Allez, va regarder les dessins animés. T'es sage? Bah, tu l'enlèves, puce. Attention. Et oui, tu sais pas ce que c'est, ça. Non, non, je te prends pas à ta place. Va faire pipi, va. C'est comment c'est dur à gérer. Hein. Mais non, il est pas méchant. Donc voilà, on m'insulte, on me lamine la tronche sur YouTube, j'arrive, je débarque, je me défends. Ensuite, on me lamine la tronche sur jeuxvideo.com alors que je m'étais calmé 3 mois. C'est pas du speech, c'est du pchit. Oups. Et t'as fini de raconter ma vie, toi? Oh, c'est pas possible. Ah là là. Enfin bon bref. Et puis donc jeuxvideo.com pareil, donc je débarque pour venir me défendre. Alors faut quoi? Faut que je crée un compte Twitter? Faut que je crée un Twitter? C'est pas possible. Non, c'est bon, j'ai autre chose à foutre, j'ai une vie, quoi. Non, j'ai pas mis du spit. Pas mis du spit. Je suis en foot partout du spit, moi. Vous savez ce que dit ma fille en ce moment? C'est une phrase que j'aime énormément. Vous m'avez volé ma vie. Quand elle est pas bien et qu'on l'a engueulée. Écoutez, un gamin, là, aussi responsable que ça, quoi.